Je m'appelle Léatitia Croissant, j'ai 20 ans, j'habite à Villepreux. Je suis en Espoir 3, je suis licenciée à Longtemps Athlétique de Saint-Quentin en Yvelines. Je pratique le cross, le 10 km route, le 3000 m, le 5000 m sur piste, ainsi que la course en montagne. Ce que j'apprécie au sein de mon groupe d'entraînement, c'est qu'on est nombreux, il y a différents niveaux, mais chacun s'aide dans les séances et on est tous solidaires entre nous. Dans une semaine type d'entraînement, je m'entraîne entre 6 et 7 fois par semaine. Il y a 2 à 3 footings, 2 séances sur piste et après 2 grosses séances en nature, le samedi et le dimanche. Mes principaux résultats, c'est principalement en course en montagne. J'ai été quatrième en junior au championnat de France de course en montagne. J'ai pu me qualifier au championnat d'Europe de course en montagne où j'ai terminé 18e. J'ai terminé 2 fois 3e des championnats de France de course en montagne en espoir. Ce que j'aime à Saint-Quentin en Yvelines, c'est que les terrains sont variés pour s'entraîner. Il y a la piste où je m'entraîne au stade Gilbert-Chansac, l'île de loisirs pour faire tout ce qui est séance de cross et la colline d'Elancourt pour les séances de côte. Je suis étudiante infirmière en 3e année et actuellement je suis en stage en gériatrie. Mes objectifs pour la saison qui va arriver, c'est un top 30 sur cross long en cross pour les championnats de France. Tenter un semi-marathon. Refaire les championnats de France de course en montagne en essayant d'aller chercher un podium. Je garde dans un coin de la tête Paris 2024, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de travail. Mes points forts, c'est que je suis endurante et que je suis très à l'aise en côte. Mes points à travailler, c'est ne pas m'enflammer sur les départs, parce que j'ai tendance à partir un peu vite, et travailler la vitesse de fin de course.